bonjour à tous, merci de nous être aussi fidèles et je suis vraiment très heureux de vous retrouver. Cette semaine, j'ai le plaisir de vous emmener sous le soleil de l'île Maurice, située dans l'archipel des Mascareignes, non loin de la Réunion et des Seychelles. Eh bien, l'île a été colonisée à partir du début du XVIIe siècle, d'abord par les Hollandais, puis les Français et enfin les Anglais, pour devenir indépendante en 1968. Jimmy, c'est quoi l'îlot qu'on voit en face de nous? C'est l'îlot flamand. L'îlot flamand. Ouais. Et on peut débarquer là-bas? Oui. C'est vrai? Oui. Jimmy l'emmène? Ouais, c'est super. Ouais, super. Génial. Merci. L'île Maurice est réputée pour ses lagons turquoises bordés de sable blanc ou encore pour son hôtellerie haut de gamme. Mais j'ai envie aussi de vous montrer d'autres facettes de l'île, ses trésors naturels, sa diversité culturelle ou encore la richesse de son métissage. Et aussi, j'ai envie de savoir comment font les Mauriciens, avec une fréquentation toujours aussi importante, pour arriver à proposer des alternatives touristiques avec un tourisme beaucoup plus durable, raisonné et responsable. Voilà, soyez donc les bienvenus à Mauritius. Bienvenue dans mes échappées belles. L'île Maurice offre une palette de couleurs incroyable aux voyageurs. Je me tourne par ici, c'est le paradis. Je me tourne par là, c'est le reparadis. Et alors, ce qui est assez joli, je trouve, c'est d'avoir ces pierres volcaniques noires. Ça tranche avec le blanc du sel. Des 50 nuances de bleu qui entourent cette perle de l'océan Indien, aux terres colorées du centre de l'île. Ben effectivement, le fer emmène la couleur rouge. Et l'aluminium emmène la couleur bleu, violacé, vert. Cette végétation, c'est luxuriant ici. Hein franchement, il y a une coulée de vert. C'est ça. Les Mauriciens ont la main verte. Chaque petite plante, c'est une victoire. Maintenant, là, on a fait tout ce qu'on a pu. On a donné de l'eau, on l'a aidé à grandir. Et là, on lui donne sa chance et on dit bonne chance et j'espère que tu vas survivre. Le vert, c'est la couleur préférée de la déesse Lakshmi. C'est pour ça. Ma voiture, de couleur verte. Ce sont aussi de véritables cordons bleus. Il y a tellement de saveurs qui se mélangent comme ça, c'est une explosion. Toutes ces épices, hein. C'est fabuleux. Jérôme va vraiment en voir de toutes les couleurs. C'est magique. Wow. Je pense que c'est beau. C'est sublime. Hein. C'est ça l'île Maurice. C'est ça l'île Maurice. Ça va, on check? On check. Bienvenue en Maurice. Merci. Dis donc, t'as des sacrés vélos, hein? Exactement. Wow. Donc, on va faire une découverte de Chamarelle à vélo électrique aujourd'hui. Bon, on va aller un peu. Je vais t'accompagner et te faire découvrir un endroit extraordinaire. D'accord. Tu es mauricienne, toi? Oui, 100% mauricienne, d'origine française, il y a 6-7 générations de ça. Mais il faut dire qu'à Maurice, les Mauriciens sont d'origine française, africaine, chinoise, indienne. On vient de partout et on est tous mauriciens. Oui, c'est vrai qu'il y a une vraie mixité. Et je ne suis pas ni belge ni canadienne. Oui, oui, il y a un petit accent. on sent on poivre un peu l'accent créole, d'ailleurs, par moment. Bon, on y va? On y va. Allez. Et à Maurice, on roule à gauche. Oui, c'est vrai. Héritage anglais. Bonjour. Hello. Donc là, on arrive au domaine de Chamarelle. Ok. Chamarelle vient d'un Français qui s'appelle Charles-Antoine de Chazal de Chamarelle, qui est arrivé à Maurice à la fin du XVIIIe siècle.
Et il a commencé par faire l'exploitation des forêts pour la mise en place de sa colonie. Okay. Par la suite, il a développé la culture du coton, de la canne à sucre, de l'indigo et du café. D'ailleurs, là, tu vois des plants de café, c'est de l'arabica. Ah, il y a des caféiers, t'as raison. La culture principale ici, c'est la canne à sucre. Oui, exactement, hein? C'est la canne à sucre. Bon, qui était beaucoup plus présente sur l'île il y a quelques années. Oui. Mais c'est une des productions principales, ainsi que le thé. Allez, maintenant, on va voir les terres de cette couleur. Yes. Let's go. Ça, ça m'intrigue. Ah ouais, en effet. Très étonnant. Hein. On est noyé dans le vert et d'un seul coup, ces dunes de toutes les couleurs, ça fait penser aux différentes teintes qu'on peut retrouver sur de la rouille, tu sais. Oui, ben effectivement, le fer emmène la couleur rouge et l'aluminium emmène la couleur bleu, violacé, vert. Ces dunes sont créées par des cendres volcaniques contenant des oxydes minéraux de différentes couleurs. D'accord. Et qui a été mise à nu par l'érosion depuis des siècles. D'accord. Mais pour quelle raison ces couleurs ne se mélangent pas en fait ? Ben, elles se repoussent un peu comme l'eau et l'huile. D'accord. Donc elles ne sont pas compatibles. Et si on les mélange, elles vont à terme se reséparer. Exactement. D'accord. Ah oui. C'est vraiment extraordinaire. Je te remercie Amélie de m'avoir emmenée ici parce que je ne m'attendais pas à voir quelque chose comme ça sur l'île en tout cas. Ben, ça fait plaisir et si tu veux, je t'emmène voir la cascade de Chamarel. Ah, chouette. Allez, on va se garer là. Il y en a de nombreuses cascades ici. Il y a une vingtaine de cascades. Ah oui. Mais celle-là, elle est vraiment très connue, elle est magnifique et elle vaut le coup. Et voilà. Ah oui. Ah, je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi spectaculaire. Elle fait à peu près 100 mètres de haut. Donc elle est alimentée par deux rivières. La rivière Saint-Denis et la rivière Viande Salée. Viande Salée. Ah, c'est marrant les noms, oui. Et elle finit sa course dans la mer. Comment vous est venue cette idée avec ton mari, Laurent, de promouvoir cette partie, on va dire, moins connue peut-être de l'île ? Bah, pour nous, en tant que Mauriciens, c'est Saint-Maurice. Ouais. Oui, il y a des belles plages, des lagons incroyables et tout. Mais il y a le centre de Maurice qui mérite d'être connu, des endroits préservés. Mmh. Ça donne un tout autre cachet de l'île Maurice. C'est une nouvelle facette qu'on découvre, du coup, nous, à travers nos balades et qu'on veut continuer à mettre en valeur. La tendance sur l'île Maurice, c'est la redécouverte de son patrimoine naturel. Le projet suivi par Nicolas Zuel s'est donné comme objectif de réimplanter la flore endémique. Salut Laurent, ça va ? Correct, toi ? Correct, ouais. On se trouve à la pépinière de Ebony Forest. Donc c'est le cœur de notre projet de restauration de la forêt. À Maurice, il nous reste moins que 1,7% de forêt primaire. Il y a eu beaucoup de forêts qui ont été enlevées pour replanter la canne à sucre. Donc ce qu'on veut faire, c'est restaurer des zones. Donc de ramener, parce qu'on est en train de perdre cette biodiversité-là. Si rien n'est fait, c'est quelque chose qui va complètement disparaître. Pour retrouver ces variétés quasiment disparues, l'organisation s'est notamment basée sur les herbiers des naturalistes du XVIIIe siècle. Depuis la création du programme en 2006, près de 148 000 plantes ont été remises en terre dans de nouvelles forêts primaires. Nicolas, comme tous ses collègues, est un expert en botanique.
Salut, ça va ? Car il s'agit de bien distinguer les plantes exotiques invasives à défricher et celles endémiques à protéger avant de replanter les nouvelles boutures. Chaque petite plante, c'est une victoire. Maintenant, là, on a fait tout ce qu'on a pu. On a donné de l'eau, on l'a aidé à grandir, on l'a acclimatisé. Et là, on lui donne sa chance et on dit bonne chance et j'espère que tu vas survivre. Des volontaires, comme cette étudiante américaine, et même des touristes, sont invités à aider l'ONG dans ce projet. Une revitalisation de la flore qui a d'ores et déjà engendré un retour d'espèces animales quasiment disparues, comme le gecko diurne orné ou ce drôle de pigeon presque ressuscité. Là, on voit un pigeon rose. Il en restait 10 en 90. Avec des efforts concertés de plusieurs ONG et le gouvernement, la population a remonté et on a environ 450 oiseaux à Maurice. Ça, c'est un exemple de ce qu'on peut faire et que rien n'est perdu. C'est en se promenant sous la canopée de cette forêt endémique déjà restaurée, 24 hectares d'ébéniers noirs et de bois corail, que Nicolas savoure tout le chemin parcouru depuis des années. Moi, ça me fait une fierté de marcher dans cette forêt-là. Et chaque fois, quand je mange, j'ai des frissons. Je me dis, mais il y a peut-être 400 ans de cela, si on marchait dans une forêt comme ça, on aurait trouvé le dodo. On aurait rencontré les tortues géantes. Mais moi, c'est quelque chose que moi, je veux léguer aux autres. On a un touriste de luxe qui vient à Maurice. Voilà, c'est bien de venir à Maurice pour les plages. Mais peut-être qu'il y a quelque chose de ta voix. Richesse de la biodiversité sur Terre et sous la mer. L'ONG Reef Conservation s'est donné pour mission de contribuer à une meilleure connaissance des fonds mauriciens. Au nord de l'île, elle a créé un sentier de découverte sous-marin. Alors que la saison touristique est sur le point de redémarrer, Céline Miternik va vérifier qu'il est praticable. L'idée d'avoir mis en place un sentier sous-marin, c'est qu'ici, on est sur la zone volontaire de conservation. Et il nous paraissait important en fait, de faire découvrir la biodiversité sous-marine. Et donc, les gens vont aller nager. Donc, c'est surtout en snorkeling, donc c'est pas le masque tuba. Donc, c'est plus facile. Ça marche. Une fois que tu es prête, je te passe le matériel comme ça, tu peux y aller. Allez, top. Situé entre 2 et 4 mètres de profondeur, le parcours, long de 400 mètres, est jalonné de panneaux didactiques qu'il faut nettoyer en permanence. Renseignements sur les poissons de la zone ou les menaces qui guettent les coraux, ce sentier est un outil formidable pour les amateurs de plongée qui souhaitent s'informer sur l'écosystème de l'océan Indien. Une richesse sous-marine aujourd'hui en danger à cause du réchauffement climatique. Céline doit donc régulièrement mesurer l'avancée du blanchissement des coraux. Alors ça va, ça s'est bien passé? Oui. Comment tout c'est est bien passé. Les coraux sont comment? Les coraux sont ok. Il y en a quand même quelques-uns qui commencent à blanchir. Je viens de voir là sur ma montre là. On est à 28 degrés dans l'eau. C'est déjà quand même beaucoup. Donc c'est quand même pas mal. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faudra suivre. Ouais, ça marche. Et pour bien ancrer ce thème de la protection de la nature dans les esprits, l'ONG de Céline s'est aussi lancée dans un projet d'éducation mobile grâce à une caravane itinérante. L'objectif du bus, c'est qu'on amène la mer vers les gens pour éduquer les jeunes concernant les écosystèmes marins et qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut le protéger. Le bus se déplace donc d'école en école pour cette mission de sensibilisation. Plaquette, maquette 3D ou microscope, c'est un petit laboratoire ambulant qui se pose aujourd'hui dans la cour de récréation. Merci beaucoup, merci d'être venu dans la mer. Donc voilà, c'est ça le plancton. Si vous regardez un petit bout de corail, vous allez voir qu'il y a plein de petits trous là-dessus. D'accord? Juste sous mon doigt là, sous mon petit bout de doigt là, il y a à peu près 50 petits trous. D'accord? Et imaginez, il y a certaines personnes qui se mettent debout avec leurs palmes sur les coraux. D'accord? Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? Ils meurent. Un message bien compris par ce public qui est en première ligne. Nous-mêmes,
on apprend plein de choses que à l'école on nous dit pas forcément. Avec ce genre d'initiative justement, on arrive à quelque part apprendre et à apprendre de nos erreurs surtout. C'est eux qui vont prendre la relève demain, donc s'ils sont bien formés, s'ils savent comment protéger les écosystèmes terrestres et aussi les écosystèmes marins, ben c'est gagné, c'est gagné. Une nouvelle génération bien décidée à agir pour tourner la page du passé et prendre soin de la biodiversité de son île. Tamarin pour te montrer la récolte du cerf. Tout se fait manuellement ici, de façon traditionnelle. Ce qui me surprend, c'est qu'on est assez éloigné de la mer, là. Oui, donc du coup, il y a une pompe qui puise l'eau de la mer et cette eau va dans un grand réservoir qui est tout au bout. Okay. Et puis ben, l'eau est déversée dans les bacs que tu vois là-bas en argile. Et puis ben, ça arrive ici, qui sont des bacs de cristallisation. C'est très beau. Donc, l'eau de la mer est à peu près 2% de salinité. Okay. Et au fur et à mesure de l'évaporation et qu'elle descend jusqu'au bac de cristallisation, elle arrive à peu près 17-20% de salinité. C'est là que la récolte se fait. Et ces salines existent depuis combien de temps? À peu près 1940. Il y avait 4 salines à l'époque. Et il ne reste plus que celui-là. Elle représente vraiment le patrimoine mauricien, donc il faut la préserver. Et le sel sert à Maurice, que ce soit pour l'alimentation, l'agriculture et pour l'entretien des piscines. Ah, donc ils font du sel fin, du gros sel et même la fleur de sel, qui est le summum du sel. Ah, c'est le buzz du buzz, évidemment. Et alors, ce qui est assez joli, je trouve, c'est d'avoir ces pierres volcaniques noires. Ça tranche avec le blanc du sel, en fait. Et le reflet de l'eau. Ouais. Bienvenue à la maison, c'est juste là. On est arrivé. Voilà. Alors on va aller voir Laurent qui est sûrement avec les animaux. Ah oui, je crois que je le vois là-bas. Ouais. Venez. Oh là là! Le comité d'accueil. Salut Jérôme. Ça va Laurent? Très bien. Ah, c'est vraiment très sympa ce que vous avez fait là. Les poules font un super look là. Il y a de tout là, il y a toutes les races que tu peux imaginer. Alors ce projet d'avoir des animaux chez vous, c'est quelque chose qui était à l'origine de votre installation ici? Pas du tout, c'est un truc qui est venu, c'est un projet de vie de Laurent à la base depuis toujours. J'ai toujours eu envie de faire ça, une petite ferme, de la permaculture, etc. Et le Covid, si tu veux, est venu accélérer un petit peu les choses et vraiment nous faire réaliser que c'est ce qu'on veut faire. Donc le projet à terme, c'est ça en fait? Pas exactement. Ici, hein. On bougerait, on irait dans un grand terrain agricole pour faire de la permaculture, une vraie ferme. Production de fruits, légumes, de lait de chèvre et tout. Ah ouais. Fromage de chèvre donc aussi. Donc on commence, on apprend ici. En même temps pour les enfants, c'est juste magique de tous les jours. Ah oui, j'avais pas vu. Vivre ça avec les animaux. Comment c'est ton nom toi? Raphaël. Ah, un petit blanc d'idée. Et Victor. D'accord. Voilà. C'est chouette d'avoir les animaux à la maison, vous en occupez bien? Oui. Ouais. Donc le matin c'est Victor et l'après-midi c'est Raphaël. Et qui fait l'omelette le soir, les deux? C'est maman. C'est maman qui fait l'omelette. Jérôme, je te propose, Victor et moi on va aller voir nos ruches. On a 5 ruches la maison. Donc on va aller vérifier si tout va bien et si la récolte est proche. Est-ce que tu voudrais venir voir avec ça? Grand avec plaisir, avec grand plaisir. Allez, c'est parti. On y va. C'est bon. Au boulot. Super avec sa combinaison là. Allez Victor, un peu de fumée autour. Ah, il y va hein, Victor, hein. Il est habitué. Hein. Il est en formation. Il est apprenticulteur alors. Voilà. Je mets un peu de fumée là-haut quand j'ouvre. Allez. On voit que la ruche là est bien en forme. Right. Victor, quitte la fumée en bas.
Dis donc, t'as pas peur, hein, Victor? Non. Tu vas attraper bien, ça. Attrape bien sur les côtés. Comme ça, sans les gants, ça va un petit peu. Ouais, ça commence à être pas mal, là. Un beau pain de miel, presque prêt. On voit qu'il y a certains alvéoles qui sont pas encore rebouchés. Donc, on va le laisser une semaine encore. Donc là, c'est ce qu'on appelle le miel toute fleur, ici. Exactement. Ouais. Et là, on est en pleine floraison d'acacia, d'eucalyptus et de, bien sûr, des arbres fruitiers. Mmh. Donc du coup, beaucoup de fleurs. Donc la production de miel recommence maintenant. Ok. Tu voudrais goûter un petit peu? Ah, je peux mettre ton doigt? Ouais, vas-y. Avec plaisir. Du miel maison 100% naturel. C'est bon? Ouais, c'est très très bon. T'as appris ça comment, toi, d'ailleurs? J'ai tout appris sur le tas. Y a un ami à nous qui est apiculteur, donc il m'a aidé au début. Ah. Beaucoup de Mauriciens ont des animaux à la maison et produisent leur propre production de lait, d'œufs, de miel. Miel aussi, d'accord. Mais malheureusement, ce sont des traditions qui sont en train de se perdre. Donc c'est pour ça que tu inities ton loulou aussi à faire ça? Exactement. Oui. Donc je transmets ça à Victor et Victor, lui, transmettra ça à ses enfants. Ça sent bon ici. Donc on va te faire goûter un curry de poulet. Ah, ça c'est bon ça. Au coco, qui se mange avec du riz et des haricots. Donc ça c'est typiquement mauricien ça. Oui, ouais. Typiquement mauricien. On va te faire aussi goûter un rougail de saucisse. Mmh. Bon, vous avez faim? Ouais. Oui. On passe à table? Ouais. Allez, on prend les plats, on amène ça. Chacun un petit truc, Victor, tu amènes ça. Et on y va. Allez, voilà. Hop là. Bon appétit tout le monde. Allez, bon app. Merci beaucoup. Plaisir. C'est délicieux, hein. Merci, bravo. Vous ne pouvez pas raconter un petit peu comment, quelle est l'histoire de vos familles? La mienne vient de Bretagne. Ah bon? J'ai dit, on est originaire de France il y a au moins 6 générations. D'accord, d'où ça en Bretagne? Saint-Malo. Ah oui. Et mon arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère était la cousine de Siokouf. Le corsaire? Le corsaire. C'est vrai? Oui. Le fin mot de l'histoire sur Robert Siokouf, c'est que toute sa légende s'est faite ici, à l'île Maurice. On a subi pendant 20 ans un blocus anglais. Et du coup, c'est les corsaires qui passaient un petit peu à travers les mailles du filet anglais, qui pillaient les bateaux marchands anglais et qui approvisionnaient la population qui était en siège. D'accord. Tu comprends pourquoi il est guide à vélo, hein? Il connaît l'histoire de Maurice, c'est le bout de ses doigts. Auparavant, avant de donc vous lancer dans cette activité de vélo et la ferme et tous ces projets-là, qu'est-ce que vous faisiez tous les deux? Alors, moi, j'étais dans la construction. D'accord. Amélie était dans la décoration intérieure. OK. En 2015, on m'annonce que j'ai un cancer. Oh. Et du coup, la ville à 180 degrés. Et c'est à partir de ce moment-là que Amélie et moi, on a pris la décision de se lancer dans le vélo électrique qui m'avait été conseillé pour me remettre en forme. Et c'est comme ça qu'on va démarrer l'aventure de Electrobike. Donc voilà. Aujourd'hui, tu es en rémission, c'est... Oui, ouais. Rémission. Donc de cette épreuve, finalement, vous avez réussi à faire quelque chose de positif derrière? Exactement. Donc ça m'a fait vraiment mettre l'emphase sur la famille et sur aider les autres. Aider les autres, c'est-à-dire concrètement? Après le premier confinement, on a décidé, Amélie, moi et les enfants, parce qu'on a fait ça en famille, de faire un tour de l'île à pied pour conscientiser les gens en général sur le cancer. Et en même temps, faire une levée de fonds pour pouvoir aider les gens qui n'ont pas nécessairement les moyens de pouvoir suivre des traitements. D'accord, ici à Maurice. À l'île Maurice. Oui. Donc pendant le tour de l'île, tous les jours, on disait où on allait démarrer. Et les gens étaient libres de venir marcher avec nous s'ils voulaient. Et il y a des jours, on a eu jusqu'à 150 personnes qui marchent avec nous. Et en moyenne, il y avait quoi, une vingtaine. Vraiment, ça variait. C'était la grande surprise tous les jours. Donc vous êtes parti pendant combien de temps, tu m'as dit? Alors 28 jours. On a rencontré des familles extraordinaires et ça a été juste magique. Et qu'est-ce que tu as préféré dans cette aventure, toi? Courir sur les roches et chercher les coquillages. Ah, d'accord. Bon, les enfants avaient quand même l'école à la maison. Donc tous les après-midi, ils avaient quand même une heure de devoir et tout. C'était un peu rock'n'roll quand même comme rythme. Oui. Lever 5 heures et tout, mais extraordinaire. Bah, c'est super courageux et super altruiste, hein, ce que vous avez fait. Bravo. Hein. Merci. Ouais. Merci. Tu vois des poissons là-haut, là, regarde. C'est un banc de poissons, là. Comme tous les matins, ou presque, Zoulou embarque sur sa petite pirogue de pêcheur. Là, on est au-dessus de Maïbourg. Derrière, c'est l'îlot Zégrette.
Et devant nous, c'est la montagne du Lion. Et il dort là. Pour le moment, le matin, il dort. Il va se réveiller bientôt. Et nous, on va vers la rivière de Créole pour pêcher un peu vers là-bas. Pour Zoulou, la pêche reste une affaire de famille. Son père et son grand-père, eux aussi, naviguaient sur ce lagon. Aujourd'hui, c'est son fils qui l'accompagne. La pêche, ça représente tout. C'est notre vie. C'est là où... C'est avec qui on a grandi, avec la mer. C'est les gens simples. Et puis, entre pêcheurs, il n'y a pas de loi. C'est convivial. On fait la petite pêche comme ça, pour prendre des fritures. On prend des petits mérous, on prend des colombines. Et il y a des poissons de toutes les couleurs. Les gens disent, oh, regarde ça, c'est beau, c'est comme Nemo. Des fois, on mange Nemo, nous aussi. Hein. Ouais. Ça, c'est un mérou. Ah, la mer, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Et il y a moins de poissons. Avant, il y avait beaucoup, beaucoup plus. Concurrencés par de gros bateaux, les pêches miraculeuses sont de plus en plus rares. Alors, comme d'autres, Zoulou a dû se diversifier vers un autre domaine. Bel bateau! Qu'est-ce que bel bateau dans la rade? Bel bateau dans la rade. Il est devenu chanteur. Les Mauriciens et la musique, c'est vital. Parce que c'est toute l'histoire de notre pays, de notre peuple, de notre culture. Un mariage, s'il n'y a pas de musique, c'est un enterrement. Un enterrement, s'il n'y a pas de musique, oh. Dieu ne sera pas content. Le bilan de la matinée est maigre. Mais Zoulou ne rentrera pas tout à fait bredouille. À peine débarqué dans les rues de Mahébourg, le pêcheur est vite rattrapé par sa seconde vie d'artiste. Ah, c'est bien peine, hein. Bonsoir, madame. Manière. Car à Maurice, tout le monde connaît Zoulou, le chanteur. Zoulou, santé, Zoulou. Ça métisse là, qu'il y fait rôder. Ça métisse là, qu'il y fait rouler. Métisse là, des mélanges tout poulet. Métisse là, avance tout bonne frontière. Avec ce l'envie. Il y a quelques années, il a composé une chanson classée numéro 1 du hit parade. Est devenu un hymne pour tous les Mauriciens. Un succès arrivé presque par hasard. Ben moi, c'était plus sur la plage. Tout s'est passé sur la plage. J'écrivais des petits textes, des petits, un peu de la poésie créole. Et puis, je suis tombé sur des potes. Et puis, on a monté un groupe. Et on a fait le premier album. On est rentré chez un producteur. Ils nous ont dit, mais vous n'êtes pas connus. On disait, on va être connus. Et puis, l'album a fait boum. Des albums à succès et des tournées qui ne l'ont pas empêché de garder les pieds sur terre. Ma vie, elle est partagée entre la mer et la musique. Ça veut dire que j'ai mes potes. De temps en temps, on fait un petit concert. Mais en même temps, j'ai besoin d'avoir le goût de l'eau salée. Les lunettes, c'est pour cacher mes yeux bleus. C'est pas pour le star system, c'est pour les yeux bleus. Un Zoulou aux yeux bleus, c'est beau ça. Fier de ses racines, Zoulou ne manque pas une occasion de mettre en lumière les traditions locales, comme le tressage de feuilles de Vakoa. L'artiste a justement ses petites adresses lorsqu'il doit faire des emplettes. Hé, hey, mais quand Vanessa se les deux tourne, car oui, mon salade. Un artisanat mis en valeur par ces femmes du village de Vieux-Grand-Port. Mais c'est une tente qui a toujours existé. C'est pas qui a eu l'idée. La superbe idée de faire des chapeaux et des paniers avec. C'est très mauricien, c'est du local. En vue de futurs concerts, le chanteur vient ici pour renouveler sa garde-robe. Est-ce qu'on peut regarder le chapeau? Si, vous pouvez. Ouais. Regardez ici, bon, je regarde dans le gravure, ouais. Tout moi, pas mal. Madame, merci beaucoup. Merci à vous. Et à très bientôt, je repasserai. D'accord. Une journée bien remplie qui se termine comme souvent en musique. Si la crise sanitaire a temporairement reporté ses concerts en public, Zoulou retrouve ses compagnons musiciens pour des répétitions.
Mes chansons, elles parlent d'unité. Mes chansons, elles parlent d'amour. Mes chansons, elles parlent d'espoir, d'espérance, de ce que l'île Maurice rêve d'être unie pour avancer tous ensemble. Cabos causé. Amitié, mélodie rythmée et bonne humeur, Zoulou le pêcheur mélomane est à lui seul un condensé de la joie de vivre mauricienne. Vous avez bien dormi, les enfants ? Oui. Ouais, super, super. Je vais goûter votre miel, tu vois. Il y a plein de super fruits. Vous avez de la chance de manger des fruits frais comme ça, le matin. Bonjour tout le monde. Salut Laurent. Vous avez bien dormi ? Ça va, Jérôme ? Ah, super bien. Je suis reçu comme un roi. Merci beaucoup. Hein. Jérôme, ce matin, oui. J'ai envie de t'emmener dans une plantation de thé qui se trouve au milieu de l'île, okay. Gérée par un ami à moi. Donc, ça me ferait plaisir de te le présenter déjà. Ah bah super, oui, bien sûr. Donc, tu vois, tu termines tout ça. Je suis dans le thème, je suis déjà outé. Exactement. Les enfants, vous avez école à la maison juste après. Moi, j'ai de la chance, c'est quartier libre. Je penserai à vous. Hein. Bonne journée, les garçons. Bonne journée. À tout à l'heure. Ciao, les loulous. C'est des statues hindoues, ça ? Exactement. C'est les plus grandes statues de l'île, mais aussi les plus grandes statues au monde. C'est la statue de Shiva et de la déesse Durga, qui est la femme de Shiva. Ils font à peu près 30 mètres de haut. Oui, c'est vrai que la communauté indienne est majoritaire ici. Exactement. Ils sont tous arrivés ici après l'abolition de l'esclavage en tant qu'engagés. Engagés, c'est-à-dire qu'ils étaient volontaires ? Ils étaient volontaires pour travailler dans les champs, dans les plantations de canne à sucre. Et depuis, ils sont restés sur 1,4 million d'habitants. Ils représentent à peu près 60% de la population. Okay. Il faut savoir que tous les ans, au mois de mars, pèlerins, de foi hindous, ils vont tous marcher et converger vers le lac sacré où ils vont venir passer une nuit de prière avant de repartir chez eux avec un peu d'eau du lac. Tous les ans, nous les Mauriciens, que ce soit de communauté catholique, musulmane ou bouddhiste, on se fait quand même un devoir de marcher avec eux et les accompagner dans leur prière et leur foi. Et c'est un gros moment d'unité et c'est juste magique. Pour toi, c'est important de participer à ce genre d'événement, finalement. Ouais. C'est ça, l'île Maurice. C'est ça, l'île Maurice. Bois chéri, je vais te présenter Sanjeev. Alors Sanjeev, c'est un ami à moi. D'accord. Il a depuis 5 générations des plantations de thé, dont il cultive lui et toute sa famille. Donc on va aller le rencontrer et découvrir tout ça avec lui. Salut Sanjeev. Ça va ? Bonjour. Je te présente Jérôme. Bonjour. Jérôme Sanjeev. Sanjeev, enchanté Sanjeev. Merci. Donc tu es en pleine cueillette, c'est plutôt on va dire une tonte. Le système est ingénieux en tout cas. C'est moi qui fabrique ça. C'est vrai ? Il faut tailler à la main, comme ça. Ouais. Ça coûte beaucoup de temps. Oui, c'est sûr. C'est ça, c'est plus pratique. C'est moins de manipulation. Moi j'ai besoin aussi de si tu peux me faire une petite coupe aussi. Ouais, hein, ça va ? Alors, comment vous répartissez les tâches et c'est votre propriété d'ailleurs ? Non, c'est pas moi propriétaire. Moi, je prends Carole Loué, ici, établissement Bois Chéri. Nous prenons le ici, non, beaucoup de familles, elles ont la vie, parce qu'ils prennent Loué, établissement Bois Chéri. Nous cassons les pays nous pour kilo, comme nous cassons les pays nous.
D'accord. D'ailleurs, le thé est arrivé à quel moment ici ? La culture du thé va démarrer en 1890. Le thé est une coutume anglaise qui sera introduite à l'île Maurice, mais elle sera exploitée bien après, due à des cyclones répétitifs qui vont vraiment dévaster les champs de canne. Mmh. Et c'est par la suite que les Anglais vont essayer l'aventure du thé. Ouais, moins vulnérable, puisque beaucoup plus bas, plus touffu, totalement. Aux intempéries, d'accord. Alors Sanjeev, est-ce que tu peux m'expliquer quelles feuilles sont bonnes à cueillir ou pas ? Ça, c'est pas bon. Ça, c'est trop... C'est trop dur. D'accord. Ça. Ça, c'est ça, bien. Ça, c'est bon. Ça, alors pourquoi bon. Ça, c'est bon ? Ça, c'est... Ah, c'est tendre. C'est tendre, d'accord, oui. Ok. Donc dès qu'elles commencent à être un peu foncées et un peu plus grosses, finalement, il ne faut pas les cueillir. Trop dur. Allez, pesez. Mais le sac est pas plein. Il est l'heure, il y a une heure à respecter, donc on va la peser. Pas de problème. C'est vraiment magnifique, hein, cette exploitation, elle est très très belle. Bien souvent, je viens là avec les enfants et Amélie, on vient faire la cueillette avec eux. Ah, sympa. Et on adore ça. Voilà. C'est beau, hein. Les cueillettes se font plutôt le matin. Très tôt le matin, donc on parle de 4h, 4h30 du matin, jusqu'à 9h15 où il y aura la première pesée. Donc celle de maintenant. Celle de maintenant, qui est la plus importante. Et ensuite, il y aura une pesée à 11h15 avant de terminer et tout le monde chez soi. Pourquoi tu préfères la pesée du matin ? Le grand matin, oui, des loups, lui, là c'est le grand matin. Après-midi, puis sec. La sec. Et là, ils vont peser. La balance, il dit quoi ? Alors là, c'est 12 kilos. Sanjeev, 38 kilos ce matin, c'est bien pour toi ? Ouais. Si c'est pas indiscret, combien est rémunéré le kilo ici de thé ? Normalement, il y a 12,50 kilos. Il a... 12 roupies 50 le kilo. Ça fait 25 centimes d'euros, c'est ça ? Approximativement, oui. Ah oui, le kilo. Donc là, sur presque 40 kilos, tu as 10 euros, quoi. C'est un produit brut. Ensuite, ça va être transformé et vendu beaucoup plus cher, bien sûr. Bien sûr. Et c'est un métier qui te plaît ? Tu aimes ça ? Tu as des enfants qui vont faire oui. Ça, tu penses, plus tard ? Ouais. Il est là ? Ah oui, il est là, le petit loulou. Salut ! Jérôme, c'est le meilleur moment de la journée. Il fait pas trop chaud, il fait bon. Génial. Ils sont où les loulous, hein, je les vois. Room service. Merci. Vous avez passé une bonne journée ? Super. Ah ouais, c'était chouette, hein. C'est beau l'endroit. Hein. Top, top. Ouais. Victor, Raphaël, un petit jus. Ah, il s'éclate, hein. Vous venez régulièrement là, à la plage comme ah, ça ? Ah, souvent. Ouais. C'est le lieu de rencontre des Mauriciens et des Tamarinois. Ah, c'est vraiment très agréable, hein. Tiens. Merci. T'en prie. Oh, allez. Ça va les champions ? Oui. Tiens. Bah, les amis. Comment on dit santé ici ? Cheers. Ah oui, bah oui. Cheers. À l'anglaise, quoi. Cheers, guys. Et là, en mauricien, on prend un peg. Un peg, c'est quoi un peg ? C'est l'apéro. Exactement. Bon, c'est sans alcool, hein. Bien sûr. Hein ? En tout cas, alors, Jérôme, c'était un immense plaisir de t'avoir parmi nous et de t'avoir fait découvrir un petit peu notre vie tous les jours. Ben, c'était un grand plaisir partagé. Et puis, vous avez été extrêmement accueillant et généreux avec moi. J'ai envie de vous souhaiter plein de succès dans vos futurs projets. Merci, hein, merci. Et puis une bonne santé, évidemment, ça va de soi. Merci hein, beaucoup. En tout cas, prochain peg. Santé. Voilà. Santé. Un peg à Maurice. Bien que majoritaire sur l'île Maurice, la communauté hindouiste a longtemps pratiqué le culte de sa religion avec pudeur et discrétion. Mais depuis les années 2010, une nouvelle génération de Mauriciens hindouistes assume son identité et ses rites, en y ajoutant une dose de modernité. C'est le cas d'Ishwara, il a 28 ans. On se voit tout à l'heure ? Ouais, à tout à l'heure. Le jeune homme aime les sports mécaniques, rouler à toute vitesse dans sa voiture customisée
et la religion. Et pour cause, Ishwara est prêtre. C'est une double vie où il y a la tranquillité, la paix, là, en voiture. Et c'est plus l'agressivité, l'adrénaline. Mon objectif, c'est être prêtre pilote. Le premier au monde pour pouvoir prendre part dans les compétitions ici à l'île Maurice. Mais avant d'éventuellement goûter aux joies des podiums, Ishwara doit se concentrer sur le spirituel. Il est en charge de 3 temples sur l'île Maurice. Ce qui ne l'empêche pas de glisser quelques clins d'œil à sa passion automobile. Le vert, c'est la couleur préférée de la déesse Lakshmi. C'est pour ça, ma voiture de couleur vert et mon tenue aussi. Très apprécié par ses fidèles, le jeune prêtre a des journées bien remplies. La religion hindouiste comptant des millions de divinités à vénérer. Chaque matin, c'est le même rituel. Il faut cueillir des fleurs pour décorer le temple et faire des offrandes. Pour lui, une vocation qui a commencé ici même. J'étais tout petit et en voyant les prêtres chantant les mantras, et ça m'a impressionné et m'a donné un coup au cœur. C'est donc tout naturellement qu'après ses études, alors qu'une carrière dans le textile s'offrait à lui, Kishwara a fait le choix de se tourner vers la religion. Pas de temps à perdre. Après cette prière, le prêtre est déjà attendu dans un autre temple à l'autre bout de l'île. Un appel du divin qu'il devra concilier avec le code de la route. On doit respecter les règles sur le chemin de tous les jours, où il y a les limitations de vitesse, tout ça. Mais au rallye, on doit s'enfoncer plus vite. Ouais. Jaya a elle aussi besoin de mettre un zeste de spiritualité dans son quotidien. Cette professeure de danse accueille chaque semaine des élèves de 5 à 18 ans pour des cours de danse classique indienne à son domicile. Hello, vanakam, ça va? Entrez? Fini? Vanakam. Allez, assise toujours. Et... 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Une danse plurimillénaire avec une gestuelle sacrée et des postures ancestrales qui font la renommée de cette discipline très exigeante. La danse classique indienne en général, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de patience, de sacrifice, parce que ça prend, déjà pour conditionner le corps à pouvoir prendre ces positions-là, ça nous prend environ 1 an à 3 ans à peu près. Il y a beaucoup de disciplines, on a des postures qu'on doit respecter, comme garder la main comme ça, disons. Okay. Et là, c'est OK, mais là, c'est pas OK. Ou... On peut aussi avec les, montrer des animaux avec le doigt, par exemple, deux oiseaux qui sont ensemble. Okay. Et on peut aussi démontrer une abeille, donc la fleur qui est là, l'abeille là-dessus. Élevée dans une école catholique, c'est grâce à la danse que Jaya a enrichi son savoir sur la culture indienne. Tout ça, ça m'a fascinée parce que déjà, il y a ce côté mystique, il y a ce côté mystérieux. Ce n'est pas que de la danse, ce n'est pas que des mouvements physiques. C'est de l'histoire, c'est la société, c'est la mythologie. Et pour séduire de nouveaux adeptes, Jaya ne manque pas d'imagination. On va prendre ce temps pour une petite vidéo TikTok. Allez, cool. En invitant les divinités indiennes sur les réseaux sociaux. La danse classique ou même la musique est souvent associée à old school. Et qui dit réseaux sociaux dit jeune, modernité. Et donc oui, c'est sûr qu'en essayant de promouvoir cet art à travers les réseaux sociaux, et ça peut toucher beaucoup plus de jeunes.
En adoptant les codes de son époque, la culture hindouiste s'est définitivement ancrée dans la société contemporaine de l'île Maurice. Bonjour l'équipe. Bonjour Jérôme. Comment c'est correct? Tout correct. Tout correct. Jérôme? Nash. Nash, enchanté. Donc Karine, c'est salut, ça? Salut Jérôme. Ça va? Ça va. Bonjour Jérôme. Bonjour. Enchanté. Yannick. Yannick. Enchanté. Donc on part dans quelle direction? Droit devant. Droit devant. On va sortir en dehors de la barrière de corail. Donc une petite passe, ouais. Oui, voilà. Et on va rejoindre les dauphins en dehors de la barrière de corail. D'accord, j'aime bien quand elle dit on va rejoindre les dauphins parce qu'elle a rendez-vous. Voilà. Ça, c'est la solution de les voir. Ça me plaît beaucoup cette idée. Ouais. Ça me plaît beaucoup. On va aller les observer et aussi les recenser. C'est pour ça que je lis Project Rescue Ocean. Je fais partie de l'ONG qui vise justement à protéger le milieu marin. D'accord. Et à sensibiliser les jeunes et tout le public sur les méfaits des plastiques sur la mer et sur les animaux. D'accord, très bien. Allez, on y va. Très impatient d'aller voir les dauphins. Je ne te cache pas. Bon, la lumière est juste magnifique là. Il y en a là. Ouais, ils sont juste là. Ils sont juste devant. Alors là, quelle est la règle de distance? On peut s'approcher jusqu'à à quelle distance de... Alors, on arrête les moteurs à maximum 50 mètres avant pour ne pas les effrayer et vraiment faire une approche respectueuse pour les dauphins. D'accord, ouais. Ça y est. T'entends leur souffle? 1, 2, 3, ils sont loin. Ah ouais, il y en a beaucoup là. Ah, juste visuellement comme ça, déjà, je peux te dire, on a entre 30 à 40 dauphins à peu près. Pour quelle raison ils viennent particulièrement ici? Alors, les dauphins vont rester ici par rapport à l'abondance de nourriture et ces baies où ils peuvent soit dormir, soit jouer, en fait, le matin. Ah. C'est pour ça qu'on a plus de dauphins dans la région ouest. D'accord. Oh, juste devant le bateau, regarde, c'est génial. Ah oui, ils sont malades, ils viennent là. Ils frôlent le bateau. Ça y est, ils viennent. T'as vu, on reste tranquille et ils sont tranquilles, en fait. Alors tout à l'heure, on m'avait dit, on va faire un comptage, on va faire un recensement des dauphins. Alors juste, j'ai envie de comprendre comment vous faites pour les reconnaître. Ben déjà, pour reconnaître les espèces, il y a la forme justement d'un avoracoda. Ensuite, il y a la taille et le poids du dauphin. Le poids, et le comment poids. Tu estimes en fait une estimation sa corpulence, poids. D'accord. Exactement. Il y a ensuite au niveau des petites griffures qu'ils peuvent avoir, par exemple durant l'accouplement et de fin se mordit. Ok. Et on a aussi le comportement des dauphins. Il y en a qui sont plus joueurs, il y en a qui plus dociles et il y en a qui sont un peu plus créatifs. Et alors ce recensement, il s'opère à quelle fréquence en fait? C'est minimum une fois par mois. Ah oui, ouais. Donc c'est très très fréquent. Ouais. On fait un recensement depuis le bateau, mais on fait aussi un recensement sous l'eau. Ouais. C'est au programme aujourd'hui? Ah oui. Et voilà une nouvelle, il fallait me dire ça dès le début. Alors, petite consigne de sécurité avant de descendre. Dis-moi. On va se mettre à l'eau en douceur pour ne pas effrayer les dauphins. Mais quand on nage et qu'on les rejoint, ils sont habitués au contact de l'homme. Donc vraiment, ils nous acceptent dans le banc. Et il ne faut pas hésiter même à partir en apnée avec eux et vouloir même jouer avec eux. La seule barrière, c'est qu'il faut éviter de les toucher. Oui, ouais. Voilà. Oui. Évidemment. Alors,
t'en as compté combien, toi, de dauphins? On a vu à peu près 32. Ouais, 32. Et toi, moi, 35, j'avais compté. On a remarqué un nourrisson, un bébé, et la falaise. Quelles sont les choses aujourd'hui que vous avez observées qui vous paraissent essentielles à noter? Alors voilà, ça a déjà été noté, c'est un bébé dans les tursiopes qui avait même pas un mois, vraiment, parce qu'ils font 70 cm à la naissance. Donc ça c'est un dauphin que tu n'avais encore jamais vu? Oui, ouais. Le petit on l'avait jamais vu. On avait vu les parents mais pas le bébé. Okay. Voilà. Est-ce que les dauphins ici dans toute la zone autour de l'île Maurice sont en danger? A priori, il n'y a pas de danger puisqu'ils sont protégés à Maurice. Mmh. On n'a pas le droit, par exemple, de les nourrir. On n'a pas le droit, bien sûr, de les pêcher. Donc, il y a quand même une protection sur les mammifères marins. La seule chose qui peut l'affecter, par contre, c'est la destruction de son habitat. Ouais. De tous les écosystèmes coralliens qu'on a autour de l'île. Ils sont vraiment fragiles et qui sont vraiment très en danger en ce moment. Un danger omniprésent, comme en témoigne cette grue qui démantèle une épave. Voici ce qu'il reste des opérations de nettoyage du Wakashio, un navire japonais qui avait fait naufrage en août 2020 au large de l'île Maurice. À l'époque, 1000 tonnes de fuel se déversent dans le lagon et souillent ses côtes. Face à cette catastrophe, c'est toute une île qui a relevé les manches afin de limiter les dégâts. 18 mois ont passé et comme chaque semaine, François Baguette, biologiste, fait un état des lieux de la situation. On se trouve à Rivière des Crioles, donc c'est une des mangroves qui a été les plus impactées par la marée noire. En août-septembre, il y avait de l'huile à peu près jusqu'à là, 70 cm jusqu'à 1 mètre au niveau des racines. Donc là, on peut voir une photo qui avait été prise de la mangrove. Toutes les racines sont complètement recouvertes avec de l'huile. Ensuite, grâce au nettoyage, tout ça est redevenu plus ou moins comme à la normale. Le travail du biologiste consiste à mesurer la croissance des palétuviers sur un secteur précis afin d'établir leur état de santé. Et son bilan semble rassurant. Voir ça, c'est quand même un bon signe dans le sens où on voit que la mangrove se régénère quand même. Il y a pas mal de nouveaux juvéniles qui arrivent. Et on revoit la mangrove comme ça, un an et demi après, ça fait quand même plaisir. Mais je préfère être prudent avant de crier victoire trop vite. Une marée noire qui fut à l'époque l'occasion pour les Mauriciens de montrer leur attachement à leur île à travers de nombreuses initiatives pour protéger leur petit paradis. Ça va ? Françoise Gachet a été à l'origine de l'une de ces belles histoires. Le jour que j'ai vu que la marée noire a commencé, c'était un truc traumatisant pour nous de voir notre mère. On pensait que ça allait jamais, qu'on allait jamais pouvoir nettoyer tout ça. On pensait que c'était fini pour les lagons, fini pour les dauphins, les poissons. Et prise de panique, j'ai lancé un appel à l'aide sur les réseaux sociaux. Un message qui a fait un effet boule de neige extraordinaire. Son idée au départ pouvait paraître farfelue. Il s'agissait de récupérer des cheveux pour fabriquer des bouées afin de capter les nappes d'hydrocarbures. Un système D qui avait fait ses preuves lors de précédentes marées noires aux États-Unis. Je savais que les cheveux avaient un pouvoir dépolluant, un pouvoir d'absorption d'huile exceptionnel. Et j'ai commencé à avoir des appels du monde entier, de la presse, des ambassades, des gens qui voulaient aider. Pour relever ce défi, Françoise s'est tournée vers les coiffeurs. Coupe gratuite ou ouverture nocturne, tous les artisans de l'île ont joué le jeu. Bonjour, comment ça va? Tu vas bien, Steve? Moi aussi. On se sentait beaucoup plus utile de pouvoir aider un peuple. Donc les coiffeurs ont commencé à se connecter à moi. Moi, je me suis connecté à un groupe de coiffeurs que je suis généralement. Et puis ça s'est fait. De fil en aiguille, j'ai eu des gens qui ont ramené aussi des cheveux qu'ils ont récupérés dans des couvents, dans des hôpitaux, ils ont coupé les cheveux, etc. Donc j'ai récupéré tout ça. Sans les coiffeurs, on n'aurait rien pu avoir fait. Sans les coiffeurs comme Steve, qui était un point de récupération. 2 ou 3 tonnes peut-être de cheveux qu'on a récupérés en tout, qui est équivalent à peu près 150 à 200 000 personnes qui ont fait don de leurs cheveux en fait.
Bye, merci, au revoir. Une centaine de Mauriciens s'organisent alors pour exploiter cette matière première inattendue et la transformer en boudin anti-marée noire. Elle retrouve aujourd'hui le noyau dur de ses volontaires qui, comme elle à l'époque, n'avaient pas hésité à couper leurs cheveux. Coucou les filles! Salut tout le monde! Ça fait chouette de te voir avec des cheveux! Et toi aussi, Milan? J'arrive à les attacher maintenant. Oui. Et t'avais la tête quasiment rasée il y a un an. Moi j'avais rasé, hein, parce que les garçons n'ont pas les cheveux longs comme les filles. Ouais. Donc j'ai rasé à boule à zéro. C'est Shaolin carrément, la coupe Shaolin. La confection des boudins demeure très rudimentaire. Les cheveux sont empaquetés dans de simples collants. Voilà, ça c'était les premiers qu'on a fait, c'était les petits. On a fait des plus grands après. Ah, ça c'est à moi. Les noirs, mais les blancs c'est à moi. Chacun avait une histoire. Si c'était pas leur tête qu'ils avaient rasé, c'était des rastas, qu'ils avaient coupé le long rasta qui poussait depuis 15 ans. Pour réaliser leur rempart anti-mazout, une organisation minutieusement orchestrée se met en place dans un hangar de plus de 1000 mètres carrés. En 48 heures, les unités ouvertes. Donc il y avait le groupe qui coupait les bas, il y avait le groupe qui remplissait les bas avec les cheveux, le groupe qui triait. En fait, il y avait 5, 6 étapes. Une méthode très efficace. 1 kg de cheveux pouvant absorber 8 litres d'huile. Parce qu'on n'aurait pas pu douter qu'un système aussi simple quelque part puisse fonctionner et avoir de tels résultats. Au final, 2,6 km de boudins de cheveux ont été fabriqués. Cependant, seule une petite partie a été utilisée, car les Nations Unies avaient déployé en masse des barrages flottants. Malgré tout, cette expérience collective reste un formidable souvenir pour ces Mauriciens. Et je crois que cet élan qui a été, je crois, historique, jamais on a vu toutes les communautés, toutes les religions, toutes les classes sociales surtout, se regrouper parce que notre île était en danger côté environnemental. Tout ce qu'on a fait, c'était vraiment une aventure humaine extraordinaire et ça montre aussi aux générations futures qu'un peuple est capable de faire de grandes choses ensemble. Un peuple uni et mobilisé pour préserver son île et son lagon à la légendaire palette de nuances de bleu. Du Morne, lieu de randonnée et lieu chargé d'histoire aussi. Pour quelle raison? Explique-moi. Bon, là, on est dans la place où on appelle Trouchenny ou le rocher Rasta. Ça, ce rocher-là? Oui, c'est ça. D'accord. Et c'est un lieu où on se donne rendez-vous chaque 1er février pour commémorer l'abolition de l'esclavage. Le 1er février 1835. Et alors pourquoi particulièrement ce lieu? C'est un lieu où les marrons venaient se réfugier. D'accord, les marrons, ce sont les esclaves qui avaient fui leur maître, qui venaient donc trouver refuge ici sur le Morne. C'est ça. Et toi, il t'arrive de venir aussi commémorer ici? Si, ça arrive, ouais. Ouais. On débute le rando souvent ici, justement, pour pouvoir partager toute cette histoire et tout ce qu'il y a autour avec les gens qui viennent visiter Maurice, surtout le Morne Brabant. Bon, allez, poursuivons cette randonnée. Allez. De ce Morne sublime, là. Cette végétation, c'est luxuriant ici. Hein. Franchement, il y a un mélange. Moi, je vois la richesse comme ça, quoi, cette terre volcanique. Oui, bah oui. Avoir toute cette végétation, les plantes, les couleurs. Une coulée de vert. C'est ça. Ah, ça se dégage là, c'est chouette. Ouais, on est quand même à 75-80 mètres d'altitude. D'accord. Et là, on a une belle vue, c'est la plage où on a démarré. On est en train de démarrer, ouais. D'accord. Là, on a une plante indigène et médicinale aussi, si tu veux. C'est quoi? Comment ça s'appelle? C'est bois de rainette. Bois de rainette. Sans la feuille. C'est bon. Ça sent la pomme verte. Exactement. C'est contre le rhumatisme et la goutte.
Très agréable. C'est très frais. Ça grimpe, là. Ah. Jérôme, voilà, on arrive dans un point de vue de ce rando. Oh là là, ouais. On a une bonne panoramique, si tu veux. C'est sublime, hein. Elle est belle, ton île, quand même, hein. Oui. Hein? Ouais. Franchement. Mais il faut qu'on soit tous responsables de nos actes, au fait. Bien sûr. Parce qu'on a vu avec le 18 mois de confinement qu'on a eu, que le coraux, ça avait commencé à changer, pousser, par exemple. On a vu qu'il y avait une régénération de tout ça. Et toi, tu as le sentiment que les Mauriciens sont de plus en plus sensibles à ça, au fait qu'il faut protéger ce trésor qu'est leur île? Il y a quand même une grande éducation à faire, mais ça, c'est dans ce chemin. D'accord. Le cheminement, il est fait, il est mis en place. Il y a pas mal de gens qui conscientisent, font des trucs, voilà. Mais je pense que c'est une bonne route. La route est longue, mais c'est une bonne route. Ça reste quand même l'emblème et cette histoire tragique qu'on raconte des marrons aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand il y avait l'abolition de l'esclavage, tu avais les militaires anglaises qui arrivaient pour annoncer qu'ils étaient libres, en fait. D'accord. Mais pour eux, c'était une venue pour capturer. Ils ont pris ça comme ça, c'est-à-dire ils ont préféré se jeter de ces falaises que de se faire capturer, encore une fois, quoi. Ah d'accord, donc ils se sont suicidés en pensant que les Anglais venaient les reprendre, en fait. Exact. Ouais, c'est une histoire tragique. Ouais, et je comprends du coup pourquoi c'est ici qui est célébré aussi et commémoré l'abolition de l'esclavage. Oui, je comprends que ce monde soit aussi symbolique. Exactement. Quand on pense à l'île Maurice, viennent immédiatement en tête les clichés de lagons translucides, d'hôtels de luxe et de services 5 étoiles. Un petit coin de paradis a réussi à réunir tous ses atouts. Il s'agit de l'île aux cerfs. Un îlot préservé qui abrite un golfe uniquement accessible en bateau. Considéré comme l'un des plus beaux du monde, ce golfe offre à ses clients des prestations hors du commun. J'adore cette vue. On s'enlève pas. C'est superbe. Linda et Jean-Pierre, deux amateurs de la petite balle blanche venus de France, vont découvrir ce terrain de jeu spectaculaire. Merci. C'est ça qu'on est content de venir. C'est adorable. Santé. Après un cocktail de bienvenue, les choses sérieuses peuvent commencer. Ce golf a une réputation incroyable, assez compliqué à jouer. Il paraît qu'il y a des trous avec des mangroves qui sont de véritables obstacles pour des gens qui sont comme nous des joueurs du dimanche. On peut aussi poser son sac de golf et puis aller se baigner, ce qui est quand même très original. C'est plusieurs expériences à la fois. Allez, c'est parti. Tu es prêt? Oui, allez, go. Créé en 2003 par un célèbre golfeur allemand qui a imaginé son parcours, le golf serpente entre roches volcaniques et végétation luxuriante. Ils sont près de 25 000 joueurs à s'y précipiter chaque année. Des clients privilégiés qui profitent de son parcours vallonné où chaque trou offre une vue imprenable sur le lagon. Allez, on continue. Les obstacles vont s'enchaîner, dont celui avec la fameuse mangrove à survoler.
ça doit faire 190 mètres à traverser. C'est bien. Au moins. Au moins, oui. Elle est passée ? Oui. Défi relevé sur ce coup-là. 18 trous plus tard, le couple ressort enchanté de sa partie de golf. Bravo. Je me tourne par ici, c'est le paradis. Je me tourne par là, c'est le reparadis. Donc, où que l'on se tourne, c'est des vues exceptionnelles. Voilà, et puis, vous entendez les petits oiseaux? Ils sont d'accord avec moi. Et pour satisfaire cette clientèle haut de gamme, 35 jardiniers s'activent en coulisses pour offrir les greens les plus parfaits. David, originaire d'Afrique du Sud, est le greenkeeper, sorte de jardinier en chef, à la tête de cette petite armée. Chaque matin, il doit analyser la qualité du gazon. Pour aujourd'hui, assure-toi de bien couper l'herbe dans le sens anti-horaire, ok ? Merci. On obtient un gazon à 2,5 mm. Et chaque jour, il faut tondre dans un sens différent pour ne pas l'aplatir et avoir ainsi une pousse verticale parfaite. On a été nominé parmi les 10 golfs où il faut avoir joué dans le monde et élu meilleur de l'océan Indien. Donc on se doit d'avoir un degré d'exigence très élevé en performance. Un système astucieux de pompage a même été élaboré pour acheminer l'eau sur l'île. Et pour faire de ce golf une adresse inoubliable, ses responsables ont implanté 4 demeures d'exception au cœur du parcours. Immergées dans la nature, ces lodges en forme de bulle ont été imaginées par Laurent, un architecte français installé à Maurice depuis 5 ans. On est donc dans un de nos hébergements, Bubble Lodge, donc avec une partie salon, une partie chambre. On est quasiment entièrement transparent, on a une partie derrière le lit qui est opaque et qui oriente la vue vers l'extérieur et on est en pleine communion avec la nature. Nichés au creux des arbres, ces lodges ont été conçus pour que ce luxe s'accorde avec le respect de l'environnement. Dans cet écotourisme, on va faire la part belle à la nature. Ça veut dire qu'on ne va pas venir abîmer la nature, on va s'insérer délicatement dans cette nature. On n'utilise pas de béton et on est dans quelque chose qui est entièrement démontable. Et c'est important qu'effectivement à l'île Maurice, il y ait de plus en plus d'initiatives de ce genre. Pour s'offrir ce bain de verdure, il faut compter près de 400 euros la nuit. Des chambres d'exception qui sont complètes plusieurs mois à l'avance. Mais c'est sans doute à la tombée de la nuit que l'expérience devient encore plus magique. Venus de Suisse, Pedro et Andréane se sont laissés tenter par une bulle immergée au cœur d'un banyan centenaire. C'est magique. Wow. Je pense que c'est beau. Ce qui est beau, c'est de côtoyer de plus près les arbres, de voir le cachet que ces lumières amènent, et puis de, le soir, une fois qu'on éteint toutes les lumières, de pouvoir admirer les étoiles. Je trouve qu'on se rend vraiment pas compte qu'on est sur une île. On a vraiment l'impression d'être au cœur de la forêt. On est vraiment en cohésion avec la nature et le ciel étoilé. Rien de tel pour clôturer une journée sportive et raffinée qu'une chambre d'hôtel à 1 million d'étoiles. Merci. Ah. Allez, Jérôme. Christelle. Ça va, ça va? Il y a une vie, une effervescence, ouais, là. Depuis que j'étais petite, je viens là avec ma maman pour prendre les légumes. D'accord, très bien. Moi, je viens pour faire les courses du restaurant. On y va? Ah ben, c'est parti. Ah, il te faut quoi aujourd'hui? Alors, on doit acheter des aubergines pour faire un bon petit carré de crevettes. Tout le monde connaît, parce que tout le monde ici. Alors... Il y a des odeurs là, les herbes, ça sentait super bon. Oui. Euh,
Maintenant, on va acheter des petites tomates qu'on appelle des pommes d'amour. On peut mettre dans la salade de poisson, la salade de poule. Ou ça va faire un chutney, comme on dit. Un chutney, ouais. Ouais. Bah, dis donc, t'en veux beaucoup de tomates. Ouais, parce que ouais. Tu sais que c'est moi qui porte le panier aujourd'hui. C'est pour ça que t'insistes un peu. Bonjour. 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 C'est quoi ça? Le pipangai. Des quoi? Le pipangai, c'est un légume vraiment très à l'ancienne. Ça, c'est vraiment typique ouais. D'ici? Oui. C'est entre le concombre et la courgette un peu. Oui, c'est un peu entre les deux. On a l'habitude de servir ça pour la Noël à Authentique dans les petits verrines. D'accord. Jérôme, je te souhaite bienvenue à Authentique Ecolodge. C'est super chouette là, dis donc. Ouais. C'est des tentes, hein, des tentes sur des pilotis là. Oui. Là, tu vois, on arrive dans notre petit potager bio. Persil, carottes, des coriandres. Si on n'a pas de travail dans la cuisine, on vient aussi dans le potager pour cultiver. Au moins, tu es sûr de tes produits là. Ah oui. Hein? Ah, la case Minzé. C'est la cuisine ouais, c'est notre cuisine. C'est ton équipe. Bonjour. Ouais. Bonjour. Très sympa, le petit bar, la piscine. Dis donc. Hein. Là, c'est notre petite cuisine à l'extérieur que j'avais. J'ai l'habitude de donner des cours de cuisine. Et tu vas m'apprendre quelle recette aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va faire une bonne curry de crevettes avec de l'aubergine. En piste, là. On y va, dans la cuisine. J'en salive d'avance. On va faire notre propre curry local. On a le grain de coriandre, le grain de cumin et le grain de moutarde. Et on a aussi des petits poivres. Ah, des petits grains de poivre noir. Très bien. Là, on va faire griller. Ah, tu faut faire griller pour élever le parfum et ça tu donne un peu, plus, un peu ouais. plus de goût. Uh-huh. Mmh, ça sent bon. Ouh là là. Alors, chez ma maman, on n'achète jamais les pots de curry au supermarché. Hein. Ah oui? Ouais, on fait toujours des curry comme ça. Mmh. C'est quelqu'un qui t'a appris beaucoup en termes de cuisine? Ouais, beaucoup. Je n'ai pas fait de cours de cuisine. J'ai appris à faire la cuisine avec ma maman et ma grand-mère. D'accord. Quand j'avais 13 ans, mon papa était décédé. D'accord. Alors, ma maman, il fallait qu'elle aille travailler dans des champs de maïs et des cannes. Et il y a mes deux petites sœurs qui étaient derrière moi. C'est à ce moment que j'ai commencé à motiver à faire la cuisine locale, mauricienne, parce que j'étais un petit peu gourmande, je peux dire. Mmh. Tu as toujours voulu faire ce métier de la cuisine? Alors au début, j'étais nounou. D'accord. Et j'ai travaillé beaucoup aussi après dans des usines pour faire des t-shirts, à la machine. Et j'ai rencontré Julien. Ouais. Heureusement, par chance. Alors c'est... Je peux dire que Julien qui a découvert mon vrai talent de la cuisine. D'accord. Ouais. Donc c'est celui qui a ouvert ici les lodges. Et en 3 mois, on peut dire que j'ai eu des applaudissements avec les clients. T'as des super retours et finalement. Super et tout. Ça va du bouche à l'oreille que maintenant je suis venue ce que je suis en 10 ans, une chef cuisinière. Alors. C'est génial. Ah, c'est top. Ouais. Voilà. C'est bon, la pâte est prête. La pâte est prête. Donc j'apporte quoi? Ça et ça? Oui. Et moi je veux bien. C'est fabuleux. Hein? Maintenant tu vas faire un curry chez toi à la maison. Ouais, j'espère. J'espère avoir des produits aussi bons que les tiens surtout. Voilà. Petite dégustation. Évidemment. Quelle question. Merci. Alors, comment tu trouves?
Il y a tellement de saveurs qui se mélangent comme ça. C'est une explosion, toutes ces épices là. C'est fabuleux. Bonjour. Ah, bonjour. Julien. Salut Julien. Ah ben Julien, justement, on a parlé de toi. En tout cas, Christelle m'a beaucoup. Oui, beaucoup. Elle m'expliquait combien tu avais été important pour elle, de lui donner confiance. Le talent a fait la différence. Hein. Ouais. Au début, quand elle est arrivée, elle m'a pas trop impressionné le premier jour. Lors de l'entretien, du coup, je lui ai dit non, je ne cherche pas de chef. Elle est revenue à la charge quelques jours après. S'il te plaît, laisse-moi faire un essai. Tu vas aimer ce que je cuisine et tout. Et là, ça a été. Et là, c'était quoi? C'était il y a 8 ans, 9 ans. 9 ans, d'ici là. 9 ans, et c'est vrai que moi, je mange ici tous les jours et je me lasse toujours pas. Tous les jours, je suis là. Waouh, ouais, ok. J'ai de la chance. Ouais. Ouais. C'est un régal, hein. C'est un régal. Ouais, faut pas que tu diffuses des recettes. Hein. Non, personne ne saura. Cette recette, elle restera entre nous. Hein. Ok, ça va. C'est sûr. Je te montre ta tante. Bien sûr. Merci encore. Merci à tout à l'heure, Christelle. À tout à l'heure. Allez, c'est parti. Alors Julien, comment est née cette idée de faire un écologe ici? C'est une idée un peu folle au départ. J'étais pas du tout dans les domaines, j'étais dans la production textile avant pendant 12 ans et j'ai voulu changer un peu de vie à 40 ans. Ouais. Donc l'idée c'était d'essayer de respecter le plus l'environnement en ayant des habitations légères et ensuite on est venu greffer l'énergie solaire dessus. Ouais. On fait un peu de récupération d'eau de pluie. Toutes nos activités sont des activités non motorisées, donc kayak, VTT, randonnée, kitesurf. L'idée, c'est vraiment de faire partie du village, d'avoir des villageois qui travaillent avec nous. Voici ta tente, Jérôme. Ouais, c'est super grand. Utiliser un maximum de bois de récupération. Okay. On a utilisé les vieilles portes de maison pour la table de lavabo, toutes les caisses de rangement. En fait, c'est les caisses que les maraîchers utilisent au marché de Port-Louis pour la détourner. On était les premiers à faire ce type d'hébergement donc il y a 9 ans. Et je pense qu'aujourd'hui, les jeunes qui voyagent sont de plus en plus à la recherche d'une hôtellerie beaucoup plus humaine, avec une convivialité qu'on retrouve plus difficilement dans les grands établissements. Pas chapeau. En tout cas, c'est réussi. J'aime beaucoup, moi. Je vais bien dormir ici. On se voit demain. À demain matin. Allez, bye. Salut, merci. Son arrivée est modeste, presque sur la pointe des pieds. Mais ce jockey est sans doute l'une des plus grandes célébrités actuelles de l'île Maurice. Les premières choses qu'on doit regarder quand on vient le matin, on doit regarder s'il a bien mangé, il a bien dormi, il a bien réveillé. On check les 4 pieds pour tirer sur la piste pour travailler le cheval. Dinesh Sofoul a 43 ans. Pour préparer la grande course du week-end, il s'entraîne 5 fois par semaine à Floréal, le terrain d'entraînement des champions. Le jockey va multiplier les tours de piste à différentes allures et tester de nombreuses montures. Dans ce seul centre équestre, 150 chevaux sont dorlotés par plus de 80 palefreniers. Ici, c'est les chevaux qui sont les stars. C'est eux qui sont les héros ici. Le tout sous le regard attentionné des entraîneurs qui vont ensuite associer les meilleurs cavaliers avec leurs chevaux les plus performants. C'est bien, bien relax, tranquille. Un attelage mûrement réfléchi, car sur l'île Maurice, les courses de chevaux sont considérées comme le sport national. On a les courses ici depuis 209 ans. On est la troisième piste la plus vieille au monde. On a 6 à 7 magazines spécialisés. Vous avez des émissions de télé, radio presque tous les jours, qu'ils soient des petits-enfants, des grandes personnes, des personnes âgées. Ils sont tous coachés devant leur télé les week-ends des courses. Et c'est un vrai passion pour les Mauriciens. À quelques semaines de la fin du championnat, Dinesh Sofoul est en tête du classement, devant des jockeys réputés venus de l'étranger.
je suis très satisfait avec mon performance jusqu'ici. Au début de la saison, je ne croyais pas que je pourrais être champion. Et ça fait vraiment plaisir quand tu vois les personnes qui disent « Ah, tu peux le faire, Dinesh, vas-y, donne le meilleur de toi-même. » Dinesh pourrait donc devenir le grand champion. Alors, c'est toute une île qui est derrière lui. En tant que Mauricien, je crois que ce serait fantastique de voir Dinesh remporter le championnat. La fierté nationale. 48 heures plus tard, c'est le jour J. La vie semble s'être arrêtée pour les grandes courses du samedi. En ville, les parieurs misent fébrilement sur les meilleures cotes. Chez lui, Dinesh a revêtu le costume de rigueur, héritage d'une longue tradition britannique exigeant un look irréprochable. Pas de pression ? Non. Hein, relax. Et même s'il multiplie désormais les unes des journaux et les trophées, pour Dinesh, la route a été longue avant d'atteindre ce niveau. Commencer comme palefrenier, nettoyer les chevaux, brosser, tout ça, ça prend du temps, au moins 2-3 ans. Moi, j'ai commencé à 0-0, je ne savais rien à propos de cheval, à propos de course, rien. Une petite prière en famille. Love you. Love you. Bye bye. Bonne chance. Bonne chance, je dois gagner, ok? Merci. Puis direction l'hippodrome. Une dizaine de courses sont programmées dans l'après-midi. Dinesh va participer à 6 d'entre elles et tenter de conserver son avance au classement général. Bien que l'hippodrome sonne un peu creux à cause de la crise sanitaire, cela n'empêche pas les quelques chanceux accrédités de vibrer pour ces tours de piste. Première course, et déjà une victoire pour Dinesh Soful. Au même moment, dans les faubourgs de Port-Louis, la capitale, les Mauriciens suivent avec ferveur les courses. Tous les samedis et dimanches, comme ça. Avec les enfants, avec la famille. C'est comme une tradition. C'est bruyant, c'est festif. C'est tout le temps comme ça. Retour sur l'hippodrome. Dinesh, qui doit changer de tunique pour représenter chaque écurie, va enchaîner les courses. Voilà les chevaux. Avec 3 victoires dans l'après-midi, Dinesh est le grand gagnant du jour. Il conforte son avance au classement et se rapproche un peu plus du grand titre national. 3 victoires, il faut être content. Et là, la grande course de la journée, c'est super. À 18h, c'est la fin des hostilités. Les chevaux rentrent au paddock et les chèvres peuvent reprendre possession de la piste. L'île retrouve son calme pour une petite semaine, avant la fièvre du prochain samedi de course. Salut Laurent. Ah. Salut Jérôme, comment tu vas? Bien dormi? Ah ouais, tellement bien, qu'est-ce qu'on est bien ici. Ah bah super. Ah, c'est une petite bulle là, j'ai adoré. Cool, bah, on est prêt pour le kayak, les conditions sont optimales. On y va tout de suite ou... Ah bah, s'il te plaît. Là, on est sur la grande rivière sud-est, donc c'est la plus longue rivière de l'île. Elle fait 25 km, elle prend sa source sur le plateau au centre de l'île, 5 km plus loin. Il y a la cascade de la grande rivière sud-est. L'homme n'a pas accès à ce site, sauf s'il est en kayak ou en bateau. D'accord.
c'est extrêmement agréable. C'est d'un calme. Ce qui est bien, c'est qu'on peut faire cette balade très tôt le matin ou en fin de journée. Mmh. Et c'est vraiment là où ben, la nature est la plus présente. Il y a des singes là, c'est quoi? C'est des macaques? C'est ça. Ils sont bien, tranquillou. Ça, c'est la petite cerise sur le gâteau de la balade en kayak, quoi. C'est voir ces petits macaques là. Ils sont vraiment pas farouches. Hein. La voilà, la cascade. Quand j'ai passé une journée à l'écologe et que ça a été un peu bruyant et stressant, je prends un kayak et je vais me ressourcer à la cascade. Ça fait vraiment du bien et c'est vraiment un site incroyable pour moi. Un peu plus haut, là, il y a les petits bassins où on peut se baigner. Ah ouais! Super sympa. Et puis sinon, moi, ce que j'aime bien faire quand je suis ici, c'est de sauter. Ça te dirait de sauter un coup là? Ah bah allez, on y va. Ouais, tu te sens? Ouais. Allez. Allez. Christelle. Coucou Jérôme. Voilà. Ah mais c'est que vous aviez tout prévu. Ah bah vous êtes là. C'est bah, top. Pour respecter la tradition, je t'invite à boire un petit coup d'eau de coco. Ouais. Ça peut être de chance qu'on, mais ce qu'on dit. Ça peut être chance. J'ai déjà eu beaucoup de chance hein, pendant mon séjour. J'ai vu plein de jolies choses, rencontré plein de personnes extrêmement... à la fois touchante et attachante et impliquée, comme vous notamment. Bah, écoute, ça nous a fait très plaisir que tu sois venu nous voir, nous rendre visite. Alors, on va trinquer. Allez. Dans le bol coco. Voilà. Merci beaucoup. À notre rencontre, à votre accueil, à cette bonne cuisine. J'aime beaucoup cet endroit. Voilà, bravo pour ce que vous arrivez à insuffler comme nouveauté et comme, on va dire, alternative aussi ici. Merci beaucoup. Santé. 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 Voilà, mon séjour à l'île Maurice se termine. C'est très enthousiasmant de voir combien les Mauriciens ont su réinventer et trouver des alternatives à ce tourisme balnéaire. Il y a quelque chose qui, moi, m'a vraiment touché, en tout cas, c'est la façon dont les Mauriciens ont peut-être, depuis cette fameuse marée noire de 2020, pris conscience que ce trésor qu'est leur île devait être protégé et qu'il fallait qu'ils en prennent soin. Donc ça se voit au travers d'initiatives individuelles et ça, c'est quelque chose qui est très important pour l'avenir de l'île. Je remercie du fond du cœur tous les Mauriciens pour leur accueil chaleureux et généreux et pour leur grand sourire et plus particulièrement ceux et celles qui m'ont accompagné. Je vous dis à très vite pour de nouvelles échappées belles dans d'autres contrées lointaines. Vous pouvez revoir cette émission en replay ou bien nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment avec les coulisses de nos tournages. Voilà, à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.
santé, bonheur et longue vie.